Eh bien, re tout le monde, donc on se retrouve juste après l'épisode 8. En plus, je m'étais trompé, à la fin j'ai dit on se retrouve plus tard pour l'épisode 8, mais on était déjà à épisode 8, donc là on est épisode 9. Si je me trompe pas, et j'ai galère, je suis en train de faire des zigzags avec le cheval. Donc je tourne cet épisode exactement à la suite. Oh là! Ah d'accord, en fait j'étais au bout de la tablette. Oh putain, il est parti où? Il est là. Ah, la caméra. On va essayer de gérer un peu quand même. C'est pas n'importe quoi. Caillou. Le cheval, c'est génial. Cheval, c'est trop génial. Ah, j'ai oublié de mettre mon chronomètre. Oui, je lui mets un chronomètre pour savoir quel temps je suis parce que. Comme maintenant, j'ai plus le PC pour record. Bah avant, ça, je pouvais regarder le PC pour voir combien de minutes j'étais. Mais maintenant, comme je sais que t'as pas envie d'en j'ai un parler. nouveau boîtier, Mais j'ai besoin bah de je peux plus savoir ce qui voir. s'est passé hier soir. Entité. Ton père connaît cet esprit. C'est pas la première fois qu'il vient, pas vrai? Yeitso a toujours été ici. Il vient la nuit pour voler des âmes. Les anciens disaient que nous sommes maudits, que c'est le prix à payer pour vivre sur cette terre. Paul. Et malgré tout ça, enfin, ton père n'a jamais, il a jamais voulu partir. Non. Pour lui, l'esprit est juste lié à ces terres. C'est comme les roches et le sable, une chose qu'on ne peut pas changer, alors il faut apprendre à vivre avec. Maintenant, à moi de te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu fais vraiment ici, au milieu de ce désert? On dirait que tu essaies de fuir quelque chose. J'essaie juste de savoir qui je suis vraiment. J'en suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai envie de faire le point sur moi-même. C'est tout. Tu es comme nous. Tu as aussi un terrible secret, pas vrai, Jody? J'ai quelque chose à te dire. Ils peuvent pas parler français, bordel! Je comprends rien. C'était Paul. Il n'y a pas d'eau au ranch, le puits doit avoir un problème. J'y jetterai un œil en revenant. Je peux aller jeter un œil si tu veux. Je sais pas si tu pourras faire grand chose. Je me débrouillerai. Dis-moi où est le puits. Il est là-bas. Il y a une éolienne. Tu peux pas le rater. Ok. Ah bah, en même temps, on se retrouve au ranch. D'accord. À tout à l'heure. Je vais y aller en cheval. Parce que... Ah. Bon, j'ai voulu dire la vérité, mais il a pas. Bah, il a eu un appel, voilà. Donc, on m'a pas dit. Je me suis dit si maintenant ça peut être une personne de confiance, donc. En split, non? Mais je tourne à peine le truc, quoi. Pourquoi il va sur la gauche alors que le truc. Voilà. Sur le chemin. Allez, quoi qu'on suit pas le chemin. Allez, nique. Une tourne plus. Ah, il y a des branches dedans. Aiden! Ok, on va se mettre là.
Voilà. Bien joué, Aiden. Nickel. La pompe refonctionne. Nickel, Miguel. Ah, mais il fait flipper, lui. Il est partout, quoi. Ah, j'ai cru qu'il faisait coucou. Ok. Non, on va aller le voir. Bonjour. Ah, une porte. Une mine. On dirait une mine. Ah, y'a un... Je n'aime pas du tout cet endroit. Voyez-vous. Ah. Il n'y a pas grand-chose ici. On dirait. On va sortir. Je sais pas. Ta fuck, et pas ça avant. Pourquoi il fait nuit? What the fuck? Ah putain, j'avais pas vu la croix. Enfin, la flèche. Foiré. Crown. Il a encore écrit Crown. 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 Bref. La grotte. Bien, je sais plus comment il s'appelle le cheval. Il chill ou je sais pas quoi. Allez, lance. Cheval, 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 c'est génial. Je l'ai trouvé trop beau. Bref, j'ai arrêté de chanter ça. Alors là, je suis le truc, mais je sais pas. Vraiment pas du tout à quoi m'attendre. Grotte. Oh là, ah non, c'est bon. Ah, elle tourne à gauche. Là. Ah. Voilà. Bon, on va suivre le chemin. Ah, il y a un truc là. La caméra s'est fixée sur le... Fort Crown. Pourquoi est-ce qu'on va amener ici? Non, on va descendre. Le Fort Crown. Le truc qui brille. Et on va voir le truc qui brille. Alors je ne peux pas aller plus vite. Hein. D'un coup, elle va... Regardez, elle se met à marcher vite et elle va peut-être courir un petit peu. Je suis à fond tu sur le machin. Quelque chose, Aiden? Oui, un truc là. Une épée. Ah là, non. Comme ça. Allez, montre-toi, Vermine. Une entité. Une entité. Elle a massacré les soldats du fort. Yitso. J'ai cru voir un autre truc qui brillait. J'ai cru voir deux objets. Ah, là-bas. Merde, j'ai mis pause sans faire exprès. Un chapeau. Merde.
l'arbre fourchu. L'arbre fourchu. Je dois le trouver. Oh putain. Aiden. On peut pas faire quelque chose avec Aiden. On a trouvé. Il a l'air de plus avoir. Enfin, il a l'air de rien du tout avant. Donc, on te cherchait l'arbre fourchu. Ah, à côté là-bas, il y a un arbre. Enfin, on dirait. Ou pas. L'arbre fourchu. Peut-être derrière la pierre là-bas. Non, on va aller tout droit. Non, c'est un cactus. Ouais, tout droit, on va voir si on va trouver l'arbre. Tourne à gauche. Droite. Moi je vous dis, c'est assez dur à contrôler. Un arbre fourchu. Un arbre fourchu, un arbre fourchu. Donc ça tourne là-bas. C'est moi, la caméra s'est bloquée sur quelque chose. Voilà. Ah là-bas. Forge de diable. L'endroit que j'ai vu dans mes visions. Ah oui, exact. Oh là, oh là, oh là, oh là, calme-toi le caillou. C'est un peu. Voilà. La forge du diable, carrément. Pourquoi le diable? Il y a une croix là. On va toucher l'arbre, je sais pas. Il n'y a rien ici. C'est quoi le rapport? Par contre, là, je vois juste rien, en fait. Tonakamewa. Tu vois quelque chose, Aiden? Il y a une croix, là, bordel. Pas besoin d'Aiden pour le voir, la croix. Ah non. Et je suis pas fou, quand même. Il y avait une espèce de croix par terre. Une balle, on va faire croix. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le masque du mec. Des fantômes. Ils portaient des masques rituels. La bague. Ah non, c'est pas une bague, c'est une espèce de talisman ou je sais pas quoi. Dans la poche. Et le crâne. Ils ont été tués par... Iyatsu. Ou je sais pas quoi. Putain, je suis... Les noms sont trop compliqués aussi. Ah. Merci, Aiden. Ah non, d'accord, c'est des... Ok, encore une autre. Encore une autre. Encore une autre. Une autre, je présume. Bizarre. Ah non. Celui-là n'a pas de talisman. T'es donné avec le bébé. Le cinquième talisman. Faut trouver le bébé. L'a mis autour du cou du bébé. Aide-moi, Aiden. Il faut que je vois ce qui est arrivé. Obligé, c'est un des mecs, des gosses qui l'ont. Ou le Paul. Oh, tout a défilé trop vite. J'ai rien pu comprendre. J'ai l'impression que tout est mélangé. On dirait qu'il manque quelque chose. J'en suis sûr. Je vais montrer le talisman à Paul. J'en suis sûr, c'est lui, c'est Paul qui a le talisman. J'en suis sûr que c'était lui le bébé. Obligé, c'est obligé. Oh ! C'est l'entité.
galope. Cannabis. Non, mais en fait, on a fait tout le tour de la map. Tout le tour de la zone, quoi. Et là, le truc est juste à côté. Par contre, pourquoi il y a... Il va y avoir l'entité alors que... Que normalement, c'est la nuit. Papa! Papa! Papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Yeitso, il est venu ici en plein jour. On a essayé de rentrer, mais papa... Papa est tombé. Ramène la caisse! Allez, elle démarre! Elle démarre maintenant, saloperie! Elle démarre pas, Jay! La lune talisman! L'entité revient par là! On doit regagner la maison. Je pense pas que ça nous aide. On n'a pas d'autre choix. Mon père l'a dit, on ne peut pas battre un esprit. Si! Esprit contre esprit! Ma couille! C'est soit la vieille, soit Lucas le talisman. Esprit contre esprit, ma gueule. Aïe. Si tu continues, on va essayer d'aller tout droit. Ah, ok, donc il faut pas. Aïe, non, mais il y a un pneu qui me bloque, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Démarre à la voiture, je sais pas. Oh là le... Non mais... Je galère là. Hi Dan. Dan il a rien à faire. Voilà. On va essayer d'aller à la voiture, je sais pas. Je suis rentré là et il a vu que ça rentrait pas. Et... Non. Bon, bah on va rentrer à l'intérieur. Allez! Bordel! Peut-être ça se trouve, il faut juste. Faut juste barricader les fenêtres. On va essayer de faire ça. Et si ça marche pas. Ah là, il y a une planche. Non, ok, bon, on rentre à l'intérieur. Ah! La caméra, elle est horrible! Ok, en fait, il fallait juste rentrer à l'intérieur. Oh, cette couverture! Ça vaut la couverture du bébé! C'est celle qui était sur ce bébé! Ma mère me l'a donné. Comme sa mère avant elle. Elle m'a aussi donné ceci. Talisman. Oh putain. Le cinquième talisman. Merde. J'ai pas appuyé. Non. C'est là que tout a commencé. Ils ont invoqué l'esprit. Mémoriser tous les détails. Ouvert une feuille, il y a une entité qui est vraie. Vos ancêtres. Ils ont recueilli Yeitso ici. Ils étaient perdus. Pleins de haine envers l'homme blanc. Ils l'ont appelé pour tuer leurs ennemis. Et prendre leur revanche. Mais ils sont pris à eux. Il avait encore soif. Soif de sang. Et Yeitso est revenu. Il est là pour prendre nos vies.
vos ancêtres. Ce sont les gardiens qui protègent la maison, pas vrai? Ils ont compris leur erreur, alors ils sont revenus pour nous protéger contre le mal qu'ils avaient libéré. S'ils ont amené l'entité ici, enfin, il doit bien y avoir un moyen de la renvoyer dans son monde. Ils ont suivi un rituel pour ouvrir le passage. Je me souviens encore de l'incantation, mais le rituel s'est perdu dans le passé. Je l'ai vu. On recommence. J'ai vu le rituel dans ma vision. Je vais le préparer et vous pourrez m'aider à dire l'incantation. Fais vite! Il arrive. Fais vite. Un feu. Je dois allumer un feu juste devant la maison. Vite un feu. Ça paraît logique. Le mec il se dit pas what the fuck, qu'est-ce qu'elle fait là? Faire l'incantation. Après je pense qu'on va faire les dessins avec un bâton en tout genre. Jody, c'est quoi ce bordel? Crois-moi, je sais ce que Jody, je fais. Jody, il faut qu'on y aille. La tempête arrive. Laisse-la faire, Jay. Quoi? Tu peux parler? Vite, Johnny! Tu dois trouver un bâton pour tracer les signes! Oh là! Carré! Ah d'accord. Ah je viens de comprendre. Vite. Donc c'est le rond. Normalement c'est le bon. Non. Quoi? C'est toujours pas ça. C'est lequel alors? Attendez, je vais bien regarder. Ah putain, c'est le croix. Là c'est ça, c'est obligé, ça faisait une espèce de bonhomme, voilà. Où se trouvaient les chamans? Alors ça, je sais pas du tout. Voilà. C'est exactement ça. Ok. Maintenant, chacun de vous doit se placer près d'un talisman. Il doit y avoir une âme rattachée à chacun d'eux. Quelqu'un. Il y a 5 talismans. Paul. Il nous faut une 5e âme pour finir le rituel. C'est de la folie, Johnny. On va tous mourir si on rentre pas tout de suite. Merde. J'en étais sûr. J'aurais pu faire tout seul l'incantation. Fais juste eh ouais 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 ouais. Voilà, faille, ça va l'aspirer. J'espère. Le passage est ouvert, Johnny. Tu as réussi. Tu as réussi. Wow. Je pars en selon le cas. Aiden, il faut que tu les aides. Tu les aides? Bah donne-moi la touche déjà pour les aider. Ah d'accord.
Ah non, c'est bon. On a réussi. Oh. Pardon. Aucun homme blanc n'est jamais allé à l'endroit où je t'emmène. Mon peuple y enterre ses morts depuis plusieurs centaines d'années. Pour nous, c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré. Non, en fait, j'avais raison, c'est des Indiens, quoi. La grand-mère Shiman Sani ou un truc là. Je pense qu'elle est morte. Qu'on lui amène sa couverture et tout. Que ce soit à la limite en train de prier, je crois qu'elle est bien morte. Ouais, il y a une tombe et tout, elle est morte. Bordel. Ah, Paul aussi il est mort. Oh, t'as fugue. Shimasani et Paul, ils sont morts, quoi. Ce sont les ossements de vos ancêtres. Je suis sûre qu'ils auraient souhaité être enterrés auprès de leur peuple. Ce n'est pas ta faute. Mon père est avec Shimasani et ses ancêtres. Il est bien où il est. C'est bien triste.
Il était là-haut. Je sais pas s'ils nous voient, c'est leurs ancêtres là, mais... un peu chelou, quoi. Monte ! Voilà. Escalade. Oh le con. Bah. What the fuck? Putain, mais j'appuie bien et tout. Non mais oh, ça va m'énerver ce truc là. Voilà putain. Il y a des dessins sur les murs. Les effets de lumière sont extra. Ok, y a rien dans le truc. Ah. C'est l'entité. Ta décision est prise. Tu t'en vas ? J'ai encore quelques trucs à régler. Des trucs de mon passé. Je crois que je suis prête à les affronter. Tu as fait beaucoup pour nous, Jody. Pour nous et pour notre peuple. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, reviens nous voir. Qu'est-ce que ça marche ? Jamais, Cory. Ashki, tu vas lui manquer. Mais je reviendrai le voir un jour. Non, on va pas embrasser, en train de... Hey, Jody! Une moto! Tu pensais quand même pas y aller à pied, ici. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai réussi à la faire redémarrer. Vas-y, prends-la. C'est notre façon de te remercier. Un peu pourri, mais bon. Si ça roule, ça roule, voilà. Ça roule, ça roule. Et leurs esprits qui étaient là. C'est chaud à comprendre quand même. Plus que du sable.